le principe des sidechains qui permettent la scalabilité sur Bitcoin. Voilà, mais bien écoute Cyril, je te laisse la main, ou la parole plutôt. Oui, alors, en fait, disons, je ne veux pas décevoir les gens, et je ne fais pas un exposé déjà sur Lightning ni sur les sidechains. Je fais un petit, je propose un petit voyage dans l'univers Bitcoin où il sera question de certains projets actuels, de leur développement. Je pense que à vous écouter au début de votre intervention, c'était un petit peu ce qui vous intéressait pour vous tenir au courant de ce qui se fait du côté Bitcoin. Donc voilà, évidemment, il est hors de question de parler de tout. C'est un univers qui foisonne avec des projets divers et variés. Voilà, je propose un petit voyage dans cet univers et parler de certains d'entre eux. Alors, hop. Alors. Donc, oui. Il m'arrive de donner des cours sur le sujet. Là, ce n'est pas un cours du tout sur Bitcoin. Il m'arrive également de présenter des articles de recherche que j'ai coécrit avec Ricardo Pérez-Marco. C'est pas le cas non plus. Je présente pas ici d'articles particulièrement. Donc juste un voyage et une description de différents projets, en mettant l'accent sur ce qui pourrait changer à court terme, à moyen terme, à long terme. Étant entendu, pardon, que je suis surtout un spectateur, disons que je suis pas un développeur, voilà. Bon, je suis un acteur au sens juste où on essaye de prendre du recul et d'écrire des articles, mais je suis absolument pas un développeur. Simplement, là, cette diapo m'invite à prendre un petit peu de recul et à, disons, évoquer vaguement le monde de la recherche et le monde du Bitcoin. Et donc, une simple recherche montre qu'aujourd'hui, il y a plus de 155 000 articles qui citent Bitcoin aujourd'hui, qu'il y a eu une production multipliée par deux en un an entre 2017 et 2018, ce qui montre un petit peu l'engouement. Et je constate que un peu partout dans le monde, on voit fleurir, on voit naître des centres de recherche sur le sujet. Notamment, j'en ai parlé à l'Imperial College, il y en a à Stanford, il y a le Media Lab, notamment au MIT, donc qui sont des vrais organismes très importants. Malheureusement, il n'y en a pas encore en France. La France qui a beaucoup de retard, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche non plus développée en France. En tout cas, il y en a surtout en sociologie, peut-être en économie, mais en informatique, il y en a peu, essentiellement l'INRIA, grâce notamment au partenariat avec Tezos, peut-être que l'orateur suivant pourra en parler. Je peux citer quand même les travaux de Yannick Serin de l'ANSSI qui sont importants et qui a coécrit des articles donc avec des développeurs Bitcoin très importants qui vont changer le réseau à travers des softwares dont je vais un petit peu parler. Alors, pour comprendre un petit peu les développements, pour comprendre ce qui se fait aujourd'hui sur Bitcoin, je sais bien que là, dans l'assistance, il y a des tas de personnes qui pensent que Bitcoin n'est pas une monnaie, que c'est je ne sais quoi. Mais en tout cas, ceux qui en détiennent, ceux qui sont amateurs du sujet, eh bien, considèrent qu'ils ont affaire à une monnaie complètement alternative et fiers qu'elle ne ressemble absolument pas à d'autres monnaies là bien établies comme l'euro ou le dollar. Donc ça, c'est une chose très importante que la communauté souhaite préserver.
En tout cas, elle met en avant le fait que c'est une monnaie résistante à la censure, que Satoshi lui-même proposait avec cette monnaie un nouveau territoire de liberté, et que en écrivant ce qu'il a, disons, la une du Times dans le premier bloc, la une du Times d'ailleurs dans le premier bloc de la blockchain du Bitcoin, eh bien, il inscrit, disons, l'histoire du Bitcoin comme une réaction aux dérives de la haute finance. En tout cas, ce qui est clair, donc, c'est que le Bitcoin est une monnaie alternative, propose une autre voie, et que ce n'est pas la finance de marché pour tous. Ce n'est pas le but du Bitcoin. Ce n'est pas de faire de tout le monde des traders et de pouvoir acheter et vendre et faire du pump and dump sur les cours. Donc ça, c'est pas l'objectif. Et ça a des répercussions parmi les développements et parmi les choix des développements notamment. Hein. Et donc, il est important de comprendre que Bitcoin, c'est avant tout un espèce de mélange entre la politique et la technologie, et qui donne, si vous voulez, vie à ce que Proudhon parlait, évoquait, à savoir l'ordre sans le pouvoir. Effectivement, j'entendais Adli du cercle de coin utiliser cette expression de Proudhon pour décrire un petit peu ce que faisait la blockchain. Eh bien, c'est bien, ça décrit bien ce que ça veut dire. Donc, il y a un consensus qui est établi, un ordre, mais sans un pouvoir d'un certain acteur, détenu par un acteur. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a donc plus de 12 ans d'âge, qui a peut-être 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. On l'a annoncé mort, évidemment, des milliers de fois. Ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens, mais comme vous le savez, il est toujours là. Puis il y a eu cet épisode, enfin, pas tout à fait ridicule, mais ce buzz blockchain qui a, disons, révélé l'existence du Bitcoin à beaucoup de gens. Donc ça, c'était l'aspect positif. Il y a eu également des exposés intéressants en 2015-2016, quand on en a parlé, mais également ça a transmis, disons, des idées un peu fausses, à savoir que la blockchain serait vraiment l'objet important dans cette nouvelle avancée technologique, alors qu'en vérité, la blockchain existait déjà bien avant l'existence du Bitcoin, à travers les travaux de Stuart Haber et Scott Stornetta. Mais c'était une base de données qui n'intéressait absolument personne. Et c'était juste quelques articles poussiéreux, mais qu'a dépoussiéré Bitcoin, qu'a dépoussiéré Satoshi Nakamoto, et qui en a fait la véritable moteur de sa crypto-monnaie. Voilà. Donc, la blockchain n'a d'intérêt que parce qu'elle est utilisée dans un réseau qui, lui, est décentralisé, comme mais sinon ça n'a que très peu d'intérêt, en fait. Il faut de se pencher sur la blockchain. C'est une base de données lourde, difficile à manier. Il y en a d'autres beaucoup plus intéressantes pour des projets vraiment centralisés. Bon, voilà. Alors, ce dont les amateurs de Bitcoin sont fier, c'est du fait que ils insistent sur le fait que la monnaie est décentralisée. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu un point important. Et chaque adepte de crypto-monnaie va essayer de prouver à l'autre que sa crypto-monnaie est plus décentralisée que celle du voisin. Alors, ce sont des débats qui sont en général sans fin, puisqu'il n'y a pas de paramètres clairs qui peuvent déterminer la décentralisation d'un réseau. Et partir de là, on peut dire un peu n'importe quoi. Mais néanmoins, même s'il n'y a pas de critères quantitatifs, il y a des faits. Il y a qu'en 2009, début 2009, un individu ou un groupe d'individus a mis à disposition du public un logiciel, et tout le monde pouvait le télécharger et gagner de l'argent comme ça, et sans que le créateur, lui, n'en gagne, sinon en minant lui-même. Ça n'a rien à voir avec un autre modèle de création de crypto-monnaie, où là, il y a derrière une fondation qui prémine des pièces de monnaie et qu'elle vend ensuite aux plus offrants.
Ce sont deux modèles qui sont radicalement différents. Il est possible qu'ensuite la richesse soit répartie, mais la décentralisation, c'est pas le fait que la richesse soit répartie entre des mains différentes. C'est également le fait que il n'y a pas de fondation derrière. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas un acteur qui joue un rôle déterminant par rapport aux autres et peut influencer la politique de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est vraiment un point très important, et notamment, on a surestimé largement le rôle des développeurs Bitcoin, le rôle des développeurs de Bitcoin Core dans le développement du Bitcoin. Essentiellement, ils se contentent de proposer un logiciel qui peut être utilisé, qui peut être copié, un client qui propose également de la documentation et un wallet qui était initialement Bitcoin QT, de temps de Satoshi. Mais le véritable pouvoir est détenu surtout dans les mains des mineurs et des utilisateurs de Bitcoin. Et là, c'est aussi intéressant. Donc, quelle perspective pour Bitcoin? C'est aussi un point là, hein. Quelle gouvernance pour Bitcoin? Et même plus généralement, quelle gouvernance pour les crypto-monnaies? Donc, c'est même 12 ans après, Bitcoin n'a pas vraiment révélé l'histoire. Faut comprendre que, par exemple, les 2 dernières années, Bitcoin, disons, les développeurs proposaient, disons, proposaient aux mineurs de voter. Et si les mineurs disaient à 95% oui, eh bien la modification du protocole était effectuée. C'était quand même peut-être un peu exagéré, et notamment on a vu les problèmes que ça a causé lorsqu'on a voulu modifier le protocole de manière très légère, en voulant fixer un bug qui s'appelle la malléabilité des transactions. Qui aurait dû être voilà, un peu inoffensif, mais néanmoins, il y a eu énormément de résistance de la part des mineurs. On s'est aperçu que voilà, ils trichaient un petit peu, ils n'avaient pas intérêt à ça. Il y a eu la sombre histoire d'Acid Boost. Mais si vous voulez, c'est la preuve que Bitcoin, en tout cas, depuis le début, marche un petit peu. Doucement, ne veut pas la preuve que Bitcoin est d'une certaine façon fidèle toujours à l'esprit de son créateur, Satoshi Nakamoto. La meilleure façon de voir la chose, c'est qu'il y a eu très peu de hard fork sur le réseau depuis la création. Hein? Donc, un hard fork, c'est lorsque on enlève des conditions. Hein? Donc, ce qui était vrai. Ce qui était faux plutôt devient vrai, et le soft work, ce qui était vrai devient faux. Donc on met plus de conditions, on devient plus royaliste de droit d'une certaine façon quand on crée des soft work. Et donc plus on crée de soft work d'une certaine façon, plus on précise une certaine pensée originale. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'on a cessé de faire finalement Bitcoin depuis sa création, mis à part quelques hard forks qui étaient vraiment nécessaires, parce que là il y a eu des bugs. Il y a eu quelques bugs, très peu, mais qui ont été résolus parfois avec un hard fork. Donc il y a eu comme ça certains épisodes assez intéressants, notamment qu'a décrit différents articles qui en parlent, notamment l'épisode où Bitcoin permet maintenant aux utilisateurs depuis 2011, ce qui a fait beaucoup du reste pour l'essor du réseau, de pouvoir payer à des de pouvoir développer ce qu'on appelle les contrats multisignatures, pouvoir payer non pas à une seule personne, mais à un groupe de personnes. Et vous voyez, quand on fait un chèque, on a envie juste de signer et puis basta. Ben là, c'est un peu pareil. On paye à un script, on paye au hash d'un script. Donc, ce qui simplifie vraiment la façon de procéder à des paiements. Donc ça, c'était en 2011, en 2011-2012, et puis l'épisode SegWit. Et puis, oui, Spork, c'est assez intéressant. Vous voyez, c'est une idée qui a été développée, je crois, par Jérémy Rubin l'an dernier, qui est au lieu de demander l'avis
des mineurs et les faire voter, c'est à 95% ils disent oui, eh bien on change. Là, c'est différent. Alors, les mineurs produisent donc des blocs avec des preuves de travail. Eh bien, mettons, n'importe quoi, si dans la preuve de travail, il y a un certain, je sais pas moi, s'il y a 1818, par exemple, eh bien, produire un bloc qui a 1818 donne, disons, au bout d'un an, on va compter le nombre de blocs avec 1818, et s'il y en a eu peut-être plus de 5% des blocs, on va considérer que les mineurs donnent leur accord. Et donc, de sorte que si un mineur ne veut pas donner son accord, eh bien, et qu'il a pourtant trouvé un bloc avec 1818, eh bien, il va simplement ne pas le diffuser, ce bloc, et donc il va se punir lui-même, il va perdre de l'argent. Voilà, donc ça sera probablement pas utilisé, mais c'est pour dire que Bitcoin va aussi là, dans cette direction, dans la recherche d'une gouvernance, d'une des meilleures gouvernances, et cherche un peu à réduire le pouvoir des mineurs, surtout depuis la triste affaire à Sibos. Bon. Oui, alors. Si vous voulez, tout le monde. Bon, je vois bien que le prix du Bitcoin s'envole, mais néanmoins, tous les amateurs diront, ne cesseront de répéter que le Bitcoin n'est qu'une expérience et qu'il ne faut investir que ce que l'on est susceptible de perdre, ce que l'on. Et ça veut dire aussi par là que on fait pas n'importe quoi. On a affaire à une forme de monnaie qui est à part et on veut la protéger. Voilà, on va pas mener n'importe quelle. On va pas. Certes, c'est une expérience, mais on a envie qu'elle réussisse. On va pas aller dans n'importe quelle direction. Le bien le plus précieux, le bien le plus précieux dans le Bitcoin, c'est la sécurité. Même si il est vrai, il y a des problèmes, ce qu'on appelle de scalabilité et de confidentialité, qui vont être résolus. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'accélère ou pas. Je vais continuer un petit peu sur ce rythme et puis j'accélérerai éventuellement si besoin. Donc, Bitcoin, alors j'ai pris des chiffres là qui sont, qui évoluent évidemment jour le jour. Donc, c'est à peu près 10 000 nœuds aujourd'hui. Alors, on parle que de la blockchain pour parler de Bitcoin, mais évidemment, c'est faux. Le Bitcoin, c'est trois bases de données en vérité. Hein. Il y a l'histoire des transactions qui sont écrites dans effectivement tous les blocs minés par le réseau, et ces blocs sont enchaînés les uns et aux autres et constituent donc cette fameuse chaîne de blocs, cette blockchain. Le timestamp server, donc serveur d'horodatage dont parlait Satoshi, puisque c'est comme ça que l'appelaient Stuart Haber et Scott Skornetta. Donc, à côté de cette blockchain qui fait plusieurs centaines de gigas, eh bien, on a l'ensemble des UTXO, c'est l'ensemble des UTXO, c'est l'ensemble de toute la richesse du monde. Et on a également à côté ce qu'on appelle la mempool, c'est-à-dire ce sont des transactions qui sont en attente de validation. Voilà. Et à chaque fois qu'un bloc est validé, eh bien, il y a une mise à jour de toutes ces bases de données. Voilà. Nouveau bloc implique mise à jour de l'UTXO 7 et mise à jour de la mempool. Donc, dans ces fameux blocs, il y a différents. Ces blocs, il y a une entête, n'est-ce pas? Donc, j'ai décrit. Bon, il y a différents paramètres dans cette entête. Il y en a un qui sert à rien, c'est le nonce. Il sert à rien parce qu'en fait, il est beaucoup trop petit, la manière dont on l'impose. Le véritable nonce est caché dans le script SIG, l'input de la Coinbase, sur laquelle on peut mettre n'importe quoi. C'est là que les mineurs peuvent. Ils ont créé de l'aléa. On peut aussi créer de l'aléa en changeant les feuilles des l'arbre de Merkel. Enfin, on a différentes façons de créer de l'aléa aussi avec la date de redatage du bloc. Mais en tout cas, le nonce, il sert à rien. Hein, clairement, il sert à rien.
On peut décrire d'ailleurs les paramètres. La version, bon, bah, si on veut faire un soft fork, c'est important, notamment. Le hash du bloc précédent, ça, c'est la définition de la blockchain. La racine de Merkel, c'est juste disons, c'est l'ADN, d'une certaine façon, de toutes les transactions qui sont enregistrées dans le bloc. Le timestamp, alors lui, il n'est pas loin de ne servir à rien non plus. Le timestamp, donc, c'est la date de création du bloc inscrite dans le bloc, il ne sert que pour déterminer le suivant, suivant certaines règles. Bon, on peut d'ailleurs, qui sont très lâches, puisqu'on peut avoir un timestamp d'un bloc successif qui est inférieur au précédent. Mais donc, néanmoins, un timestamp sert à définir le suivant, plus ou moins, suivant certaines proportions. Et l'important, c'est juste le 2016e timestamp après et le premier. Et une fois qu'on peut faire la différence entre les deux, on peut procéder à ce qu'on appelle un ajustement de la difficulté qui a pour but de faire en sorte que les blocs soient validés toutes les 10 minutes. Voilà l'intérêt de tous ces paramètres. Donc la blockchain, c'est donc 315 gigabytes, en tout cas hier, et c'était à peu près 660 000 blocs minés depuis janvier 2009. Voilà. Donc un temps de minage de à peu près 10 minutes. Alors, c'est 4 transactions par seconde, mais en vérité, on peut aller plus loin. Hein. On peut calculer la limite du reste. Hein. Avec tous les paramètres de Bitcoin, on peut savoir à peu près que c'est à peu près, je crois, 20 transactions par seconde, et on ne peut pas aller au-delà de ces 20 transactions par seconde. Hein. Donc ça, c'est une limitation. Bon, on peut effectivement jouer. Alors l'UTXO 7, vous voyez, pour donner des ordres de grandeur, il y a 70 millions aujourd'hui d'UTXO 7. Ça croît de manière linéaire, donc c'est aussi un problème. Je vais y revenir un petit peu. Y a des voilà, des solutions proposées. Et puis la même poule, 25 mégabytes. Qui peut être aussi un problème du reste, et avec des frais de transaction qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui sur le réseau Bitcoin. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, à part faire des gros transferts d'argent, on n'a pas intérêt d'utiliser Bitcoin, le réseau lui-même, pour faire de simples transferts d'argent avec des montants. Disons, pour acheter une baguette de pain, on n'a clairement pas intérêt de le faire sur le réseau Bitcoin. Par contre, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Oui, alors, donc on peut jouer avec ces paramètres, mais si vous voulez, c'est pas le fait qu'il y ait 10 minutes, que les blocs soient limités à 1 mégabyte, qu'on a des problèmes. Sur le réseau Ethereum, enfin, je ne voulais pas prononcer le mot, mais bon, voilà. Sur d'autres réseaux, on peut imposer des transactions, disons, des temps de minage interbloc de 10-15 secondes, mais en vérité, ce réseau-là, il se retrouve aussi surchargé comme le réseau Bitcoin aujourd'hui, avec des frais de transaction qui sont également extraordinaires. Or, Bitcoin a des solutions pour répondre à cet engorgement du réseau Bitcoin, hein, tandis que de ces autres réseaux de crypto-monnaies n'en ont pas. Donc, au niveau du consensus, en gros, ça va. Le consensus prévu par Satoshi n'a pas vraiment été modifié depuis sa création, n'est-ce pas? C'est toujours. Alors, ce n'est pas la blockchain la plus longue, comme c'était au début, il y a une petite modification, c'est donc bien la blockchain la plus solide, celle qui a été la plus compliquée à produire. Et de fait, oui, il n'y a pas de problème, parce que le principal problème qu'il peut y avoir, c'est un problème de double dépense et maîtrisé, hein, si on est dans des bonnes conditions. Donc, l'idée de Satoshi, ce n'est pas de trouver un réseau dans lequel il n'y a a priori pas d'arnaque possible, comme les gens cherchaient à faire avant lui. Non, c'est de trouver un réseau dans lequel
sous certaines conditions, il n'y a pas d'arnaque. Voilà. Et il n'y a pas d'arnaque, et ceci étant, disons, pouvant être quantifié par un petit calcul de probabilité. Donc voilà. Donc, effectivement, si on prend ces précautions, il n'y a pas d'arnaque, et même, il y a donc, la probabilité de réaliser une arnaque est très faible, et en même temps, on n'a pas intérêt de le faire, même si on était un attaquant. Disons, ce n'est pas parce que la probabilité d'une attaque est faible qu'on n'a pas, qu'on ne va pas le faire. Hein. La probabilité de gagner au loto est faible, néanmoins, il y a des gens qui jouent et gagnent, qui jouent toujours au loto. Voilà, donc, oui, c'est quand même un peu plus fin, dire ça, c'est quand même un peu plus fin que de dire juste un simple calcul de probabilité. Mais bon, bref, je passe là-dessus. En fait, si vous voulez, il y avait trois choses, clairement, dans l'esprit de Satoshi et des gens au début. Il y a trois choses, trois quantités. La première, c'est la vitesse de calcul des mineurs, c'est-à-dire le nombre de H qu'on est capable de calculer à la seconde. C'est la première quantité. La deuxième quantité, c'est le pourcentage de blocs qu'un mineur est capable de caser dans la blockchain officielle. C'est-à-dire que s'il est capable de, je sais pas, de mener que 25 H par seconde et les autres 100 H par seconde, eh bien, au final, dans la blockchain officielle, il aura un quart, il aura que 25% des blocs minés, des blocs minés officiels. Donc ça, vous voyez, c'est première chose, la vitesse de hash, calcul de hash. Deuxième chose, le pourcentage de blocs minés dans la blockchain officielle. Et puis troisième chose également, c'est le rendement par unité de temps. Là, c'est pas par unité de bloc, c'est par unité de temps. Voilà, donc c'est trois choses a priori différentes. Et dans l'esprit de Satoshi et de beaucoup de gens, il était clair, en tout cas au départ, que ces trois choses étaient égales. Mais c'est faux. Alors, c'est fou, et en fait, oui, donc, comme l'a dit l'orateur précédent, il y a cette fameuse, des fameuses stratégies déviantes, donc je ne vais pas passer non plus une heure dessus, mais brièvement, pourquoi c'est fou? Il est très facile de se rendre compte, finalement, qu'on peut caser dans la blockchain officielle plus que ce que nous offre notre vitesse, notre puissance de calcul. Hein, regardez, juste sur cet exemple, vous voyez, c'est une stratégie où l'on ne publie ces blocs que si on est sur le point d'être rejoint par des autres mineurs. Donc là, c'est les autres qui trouvent un bloc, tout court. Là, c'est l'attaquant trouve un bloc, et puis il est rejoint. Bon, alors il y a un nouveau bloc qui met tout le monde d'accord. Et puis là, vous voyez, là, il mine deux blocs et les autres minent un bloc. Alors, il est sur le point d'être rejoint, il balance tout, il publie tout, il prend le pouvoir. Là, par exemple, il mine deux blocs, hop, il en mine encore un, il a donc trois blocs d'avance. Là, il en a plus que deux, trois, quatre, trois, deux, un. Un bloc d'avance uniquement, il est sur le point d'être rejoint, il publie, etc. Et donc, on peut représenter finalement comme ça la suite des découvertes des blocs par des lettres S et H. Et on s'aperçoit, en tout cas pour cette stratégie-là, que si on, bon, mis à part ces petits cas-là, si on nommait les deux premières lettres et la dernière, on a ce qui s'appelle un objet très connu en maths, enfin en informatique surtout, un mot de Dick. Hein, donc c'est la distribution est donnée par les nombres de catalans. Et donc on peut très facilement en déduire les choses suivantes, que là, si je veux. Alors je répète tout ça, je suis un mineur, je répète sans arrêt ces attaques. Eh bien, grâce au fait que j'ai affaire à des mots de Dick, je peux calculer à ce moment-là le nombre de blocs que je valide par attaque, moi attaquant, puis je peux comparer ça au nombre de blocs officiels minés, et le fait est que ça devient plus grand que Q, que ma puissance de hachage relative. Donc ça, on n'y peut rien. Ça, on pourra toujours gruger sur là-dessus. Mais le problème, c'est pas qu'on arrive à avoir un pourcentage de blocs officiels plus important que ce que nous permettrait a priori notre matériel informatique. Le problème, c'est que c'est rentable. Le problème, c'est que ça peut être rentable. Et que si ça peut être rentable, c'est parce que les blocs officiels toujours viennent toutes les 10 minutes en moyenne. Et que quoi qu'il arrive, ça viendra toutes les 10 minutes. Donc en particulier, dans le cas qui est ici, on voit bien que il y a du déchet, il y a des blocs qui sont orphelins, et donc
au bout d'un moment donné, il y a un ajustement de difficulté qui va faire baisser la vitesse de la difficulté de minage, et donc on va être avantagé, enfin tout le monde va être avantagé, les blocs, aussi bien les honnêtes que les attaquants, ils vont miner, tout le monde va être capable de miner des blocs plus rapidement. Ce qui fait que, au départ, la stratégie n'est pas rentable, mais après, justement, difficulté, par unité de temps, elle le devient. Parce que, si vous voulez, c'est pas parce que j'ai 99% des blocs minés dans la blockchain officielle que j'ai une stratégie géniale. Si c'était ça et que tous les blocs officiels mettaient 10 heures avant d'arriver, je ferais mieux juste d'être honnête. Non. Donc, voilà. Donc, en fait, on peut même prouver que sans ajustement de difficulté, la meilleure stratégie, c'est la stratégie honnête. Et qu'en fait, le truc, c'est que le taux de rendement du minage ne devrait pas être égal au pourcentage officiel de blocs minés. Donc, la solution pour contrer cette attaque, vraiment, c'est que le protocole devrait prendre en compte la production de blocs orphelins. Donc, voilà la solution. Il faut juste que les nœuds signalent l'existence de ces blocs orphelins. Et pour ça, il faut leur donner les moyens. Il faut que les preuves d'existence de ces blocs orphelins soient indiquées dans les blocs et que l'ajustement de difficulté prenne en compte cette production de blocs orphelins. Et de sorte que 10 minutes doit être le temps de minage d'un bloc, qu'il soit officiel ou non. Parce que le problème dans le cas précédent, c'est que il n'y a pas eu la difficulté devrait être un indicateur de la puissance de minage de tout le réseau. S'il n'y a pas de changement s'il y a toujours le même nombre d'acteurs qui font la même activité de minage, la difficulté n'a aucune raison de diminuer. Or, elle baisse parce que le protocole ne voit pas et croit qu'il y a des acteurs qui sont partis. Il le croit parce que les blocs orphelins ne sont pas pris en compte dans l'ajustement de difficulté. Donc, il faudrait pouvoir le faire. Et voilà. Ça arrivera peut-être. Hein. En tout cas, maintenant, ça n'est pas. Juste là, sur Ethereum, quand même, si vous voulez, en fait, l'attaque est beaucoup plus grave, en fait, sur Ethereum, parce que sur Ethereum, même si vous ratez votre attaque, vous gagnez de l'argent. Parce que le risque, c'est je mine un bloc, je le garde secret, mais les autres ensuite en trouvent un, et puis encore en trouvent un par-dessus un bloc honnête. À ce moment-là, j'ai miné pour rien. Mais même dans ce scénario-là pour Ethereum, l'attaquant gagne de l'argent, puisque les blocs orphelins sont rémunérés. Donc, pourquoi se priver d'attaquer dans ce cas-là? Vous voyez? Donc, en fait, si vous voulez, si on analyse le réseau Ethereum à sa création, il était totalement buggé. Il suffisait de plus de 10% de puissance de hachage au début du réseau Ethereum pour avoir intérêt à mener une stratégie complètement déviante du type selfish mining. Et en plus, il était buggé même doublement parce que on pouvait tirer profit de cette arnaque immédiatement vu qu'on n'attend pas 2016 blocs avant qu'il y ait un ajustement de difficulté sur Ethereum, ça se fait instantanément. Bref. Néanmoins, il y a une modification sous l'impulsion de Sergio Lerner, dont on aura peut-être l'occasion de parler de nouveau, et qui a modifié cette formule d'ajustement de la difficulté sur Ethereum et l'a rendue robuste. Et du coup, grâce à cette nouvelle formule d'ajustement de difficulté, Ethereum a maintenant un niveau de robustesse comparable à Bitcoin. Voilà. Et donc la solution, c'est ce que j'écris là, à savoir il faut prendre en compte il n'y a pas le N1 là dans Bitcoin actuel. Il faudrait qu'il y ait ce N1. Donc voilà, que le réseau puisse détecter la production de blocs orphelins. Bon, donc ça c'était juste au niveau du consensus. Voilà. Donc en gros pour dire le consensus tout va bien. Je vois qu'il y a des questions, mais je continue, ok, je répondrai à des questions plus tard. Donc, alors, la plupart des développements en réalité sur Bitcoin se font au niveau des scripts. Hein.
Alors, au niveau des scripts, alors, si on veut prendre part au réseau Bitcoin, on a intérêt de se créer une adresse. C'est la première chose, si on veut gagner, si on veut recevoir des Bitcoins. Et une adresse, Bitcoin, c'est le hash d'une clé publique. Et le transfert de Bitcoin est matérialisé par ce que l'on appelle une transaction. Une transaction qui ensuite est enregistrée éventuellement dans la blockchain. Et une transaction, c'est... Alors, c'est à peu près ça. Disons que ça a été modifié un petit peu avec SegWit, mais une transaction, c'est deux parties essentiellement. La première partie, un ensemble d'inputs, et la deuxième partie, un ensemble d'outputs. Avec SegWit, il y a aussi une partie témoin des transactions, les preuves des transactions. Donc, cette transaction, la transaction décrit le transfert de Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, j'ai fait des bêtises. Alors, attendez, du coup... Voilà. Oui. Alors, donc une transaction décrit le transfert de Bitcoin. Alors, un output, pour comprendre, un output, c'est un ensemble de coupes, hein, qui sont donc j'ai un montant et puis j'ai une condition pour pouvoir débourser cet argent. Et les outputs ont deux états. Dépensé, non dépensé, spent and unspent. Et ce qu'on appelle l'UTXO7, c'est l'ensemble des outputs qui sont dans l'état unspent. Voilà. Alors maintenant, un input, c'est un ensemble de références à des outputs. Mais pas uniquement, c'est je fais référence à tel output, et en plus, j'apporte la preuve que je suis en mesure de déplacer l'argent qu'il y a sur l'output. Donc c'est à la fois la référence à l'output et la preuve pour pouvoir transférer l'output. Donc, de sorte que, vous voyez, l'output, c'est un TUPlé entre les montants et les conditions. Une condition, c'est un script bloquant, d'accord? Et puis, l'output, c'est un TUPlé entre référence et preuve. Et une preuve, c'est matérialise par un script libérateur. Je vais donner les conditions pour transférer l'argent. Donc le nouveau bloc met à jour tout ce qu'il faut, la même poule et l'UTXO7. Et alors, tout cela est en train d'être revu parce que, si vous voulez, ce n'est pas optimal. Le langage Bitcoin, il n'est pas optimal. Et puis également, on voudrait être sûr de ce que l'on fait. On voudrait, ben là, c'est aussi une direction dans laquelle va Tezos. On voudrait pouvoir écrire du code et qui permettent de, disons, de nous prouver, on voudrait disposer de preuves formelles que le code fait bien ce qu'on a envie qu'il fasse. Voilà. Donc ça, c'est des développements que sont en train de mener des équipes, notamment chez Blockstream. Donc il y a Miniscript et puis il y a Simplicity. Voilà, donc c'est des miniscripts marchent en partie sur certains scripts P2SH. Voilà, mais Simplicity est en voie de développement. Où va Bitcoin? Bitcoin va dans cette direction-là. Hein. Alors, une demande d'annotation, je refuse. Hop. Alors. Donc. Donc, alors, si vous voulez, le problème, c'est pas uniquement qu'on aimerait bien pouvoir auditer bien les scripts et optimiser le langage, changer, modifier le langage. On veut pas non plus un langage Turing complet comme sur Ethereum. On n'a pas envie de créer toutes les dérives qu'on a pu connaître sur Ethereum. On ne veut pas ça sur Bitcoin. Donc, on n'a pas envie, a priori, de langage Turing complet. Mais on veut un langage sophistiqué pour avoir plus de sécurité, car comme je l'ai dit, on veut de la sécurité avant tout sur le réseau Bitcoin. Donc, il y a une autre chose que l'on souhaite, c'est aller vers davantage de confidentialité des transactions. Alors, il y a eu une avancée en ce sens, d'une certaine façon, avec l'invention du P2SH, où là, vous voyez, si je dois envoyer de l'argent à un ensemble de personnes, ben,
eux, ils me donnent un hash et puis je paye à ce hash, point barre. Je ne veux pas savoir à qui j'envoie l'argent, ils de merde. Moi, ça va être très simple. Donc, l'output, il va être simple à écrire. Et en taille, il est petit par rapport à l'input qui est gros. Et là, il faut toutes sortes, il faut écrire toutes les conditions et il faut écrire dedans toutes les preuves possibles. Donc, il y a de fait un déséquilibre aujourd'hui dans Bitcoin entre les inputs et les outputs. Les outputs qui sont pas mal, qui sont opaques, on ne sait pas à qui vraiment on envoie l'argent. Par contre, les inputs sont totalement transparents. C'est-à-dire que si j'ai 15 conditions pour envoyer un input, eh bien, au moment où je vais faire la transaction, pour pouvoir prouver que ma transaction est légale, je vais devoir partager au réseau toutes les transactions possibles, toutes les conditions possibles, et montrer que ce que je fais répond à une des conditions possibles, apporte la preuve d'une des conditions. Donc, c'est absolument transparent. Donc, je sais bien que toutes sortes de personnes aimeraient bien que tout soit transparent comme ça, mais les gens ne veulent pas. On veut rendre les transactions le plus anonymes possible. Hein. Et idéalement, on voudrait des transactions à zéro preuve de connaissance, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a ce problème des inputs qui sont pas toujours le même problème. Il y a des inputs qui sont pas comme on voudrait qu'ils soient, et donc qui sont lourds, et on voudrait réduire la taille des inputs, donc on permettrait de gagner, on gagnerait de la place, on gagnerait également en frais de transaction, et on gagnerait en confidentialité. Alors, il y a une solution qui a été proposée, alors je ne sais plus si c'est Russell O'Connor ou d'autres, Peter Todd, je ne sais plus. Et donc, si vous voulez, c'est au lieu de révéler toutes les conditions possibles, tous les scripts possibles permettant de débloquer l'argent, eh bien, on va hacher tous ces scripts. On va même construire un arbre de Merkel avec tous ces scripts possibles. Et au lieu de révéler uniquement tout ce qui était possible, eh bien, on va montrer que le script que l'on écrit, eh bien, fait partie. On va décrire le chemin jusqu'à la racine de l'arbre de Merkel, ce qui permettait de gagner en confidentialité. On ne donne plus tout ce qui était possible. Donc, vous voyez, si on envoie de l'argent soit à Ben Laden, soit à moi-même, et que c'est public, on va se dire, ah ben lui, il aurait pu recevoir de l'argent de la part, l'argent qu'il reçoit aurait pu être reçu là aussi par Ben Laden. Donc, on va peut-être le surveiller. Vous voyez, mais maintenant, ça sera plus possible. Parce qu'on ne saura plus à qui aurait pu être envoyé l'argent. Donc, Cyril, excuse-moi, mais il nous reste une minute. Il reste une minute. Oui. Je ne peux pas en une minute. Hein. Non, mais prends-en cinq. D'accord. Bon, alors 5 minutes, d'accord, donc je vais être bref, ok. Donc, pour gagner de la vie privée, il y a ces solutions, qui s'appellent le MAST, hein, et puis une autre façon de gagner en confidentialité, c'est en prenant des schémas de Schnorr, en utilisant un schéma de signature de Schnorr, où en gros on peut additionner facilement des clés publiques. Et si on additionne des clés publiques, on obtient un résultat qui ressemble lui-même à une clé publique. De sorte qu'en voyant dans un schéma de Schnorr, envoyer de l'argent à un contrat multisig, c'est comme envoyer de l'argent à juste une personne. Et de plus, on peut, par principe de linéarité des signatures de Schnorr, on peut cacher le fait que le fait qu'on ait à rédiger un script un peu compliqué, un peu alambiqué. Dans le cas présent de MAST, même si on ne présentait pas tous les inputs possibles, on révélait quand même l'existence de fait qu'on a une transaction MAST. Mais grâce
à Schnorr, on va rendre ce fait indiscernable. Toutes les transactions seront comme des transactions où on envoie de l'argent d'un individu à un autre. Donc on ne saura plus ce qui se passe, d'accord? Donc ça, c'est Taproot. Donc c'est Taproot. Alors voilà. Donc une solution qui a été notamment proposée par Gregory Maxwell qui va arriver. Alors j'ai peu le temps de parler de CoinJoin, qui est un autre moyen d'accéder à beaucoup plus de confidentialité encore. Là, on ne fait plus de transactions multisig et simplement c'est une technique pour blanchir de l'argent d'une certaine façon. Et on n'y peut rien. Voilà. Donc il y a déjà des disons, c'est pas envoyer de l'argent à un groupe d'individus sans que je le sache, c'est j'ai de l'argent, je me l'envoie à moi-même, mais simplement on brise la chaîne, on brise l'histoire des UTXO. Donc j'accélère. Alors UTXO, c'est une autre technique pour voilà, de scalabilité de l'UTXO 7. Ma foi, j'aurais bien aimé parler des discrete log contracts. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Disons, ça a été inventé par Tadj Drija, bien qu'il ne le développe pas malheureusement, enfin, il ne le développe plus vraiment. Pour le coup, ça peut intéresser beaucoup de gens puisque ça permet, on peut... Tadj Drija est celui qui a co-inventé le Lightning Network. Et là, c'est aussi un peu les mêmes idées. Ça permettrait, si vous voulez, on peut faire des paris. Mais ça, quand on fait des paris, souvent le problème, c'est qu'on peut truquer l'oracle. Voilà. Mais là, on fait donc l'oracle qui donne le résultat. Hein. Et là, on ne peut pas truquer. Il est discret, ce qu'on appelle l'oracle. Hein. Donc, c'est une technique qui peut donner lieu à comme des canaux de paiement, mais là, l'équivalent, ce serait plus, il faudrait imaginer, plus des chambres, une espèce de chambre de compensation, mais complètement décentralisée. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas extrêmement compliqué, mais Lightning, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Bon, ben, tant pis, je peux pas en parler, alors, si vous voulez pas. Du coup, il y avait Lightning. Lightning, donc, c'est une solution, vous voyez, pour apporter de la scalabilité au réseau. Donc, qui tire profit du fait que on a affaire avec le Bitcoin à une monnaie programmable. Donc, on peut effectuer ce qu'on appelle des paiements conditionnels. Et donc on envoie de l'argent que si on obtient un secret, et puis voilà, on se partage des secrets, et on peut comme ça créer ce qu'on appelle des canaux de paiement. C'était des choses qui étaient connues en fait depuis les années 2013, peut-être même avant. Il y a eu différents projets, et puis on a surtout retenu celui de Tadj Drija et Joseph Kuhn. Donc ça permet des paiements quasi instantanés, des débits quasi illimités. Bon, il y a différentes attaques qui sont quand même possibles, c'est pas dépourvu d'attaques. Il y a, si vous voulez, il y a le réseau est d'autant plus, en tout cas en général, le réseau est d'autant plus efficace que les gens y mettent de l'argent dedans, hein, en gros. Donc là, comme pour CoinJoin, comme pour aussi Lightning Network, on a intérêt à mettre de la liquidité dans le réseau. Donc ça, c'est une chose qu'on voit apparaître. Dans toutes les crypto-monnaies même, c'est le marché de la liquidité. Hein. Si on veut rendre, si on veut blanchir son argent, on a intérêt d'apporter de la liquidité au CoinJoin. Si on veut gagner, si on veut faire monter en puissance le réseau Lightning, on a intérêt aussi d'apporter de la liquidité. Et on peut être rémunéré après par des frais de transaction. Donc ça, c'est le marché de la liquidité hein, qu'on voit. Alors Lightning, c'est fait. Il y a d'autres solutions qui sont là. Centralisé, c'est pas Lightning décentralisé, les sidechains, c'est on voudrait rendre interopérable des différentes blockchains, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas possible. Par contre, si une des blockchains est particulièrement centralisée, alors on sait faire. En gros, c'est ça. Donc,
centralisé. Là, en l'occurrence, centralisé, c'est centralisé autour d'une fédération d'acteurs. Donc là, il y en a deux, en tout cas à ma connaissance. Il y a Liquid, surtout porté par Blockstream, et RSK, porté par le RSK Lab. Donc là, il n'y a pas, de même que sur Lightning, il n'y a pas de création monétaire, c'est juste un endroit où on échange l'argent. Eh bien, de même, sur SideChain, il n'y a pas de création monétaire, on échange de l'argent très rapidement et de manière confidentielle, là encore. Hein. Donc, tout ça, tous ces projets vont probablement causer beaucoup de soucis aux régulateurs, mais on n'y peut rien, ce n'est pas la peine. C'est des projets, c'est des crypto-monnaies qui sont de plus en plus confidentielles. Et là, à moins d'interdire aux gens de faire des mathématiques, je ne vois pas comment on peut interdire. Je pense que. Bon, on peut en parler de ce problème, mais voilà. Donc, Liquid, c'est comme il n'y a pas de preuve de travail. Les blocs sont minés à peu près toutes les minutes par certains acteurs qui font partie de la fédération. Donc, il n'y a pas de création monétaire. Par contre, il y a toujours des frais de transaction. Et Liquid, aussi bien Liquid que RSK, permet donc de faire des choses qui n'étaient pas absolument possibles dans Bitcoin. Notamment, on peut faire appel à d'autres langage de programmation, et là, on peut faire comme sur Ethereum, notamment, mais avec beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas ce problème de scalabilité comme sur Ethereum. Donc, on peut reproduire sur Liquid ou RSK, par exemple, ce qui fait le succès actuellement d'Ethereum, c'est-à-dire les fameuses automated market makers, les AMM, qu'il n'y a aucun problème, en tout cas technique, pour pouvoir le faire sur des sidechains du Bitcoin. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Et on peut notamment, si on peut le faire, c'est parce qu'on peut facilement donc émettre des jetons comme sur ces sidechains, comme le fait Ethereum, donc ce qui donne lieu possiblement à une nouvelle DeFi, mais sur le réseau Bitcoin. Désolé, j'avais l'intention de parler davantage, mais j'espère avoir donné... quand même l'idée que ce qui est important sur Bitcoin, c'est pas de développer une finance débridée, une DeFi, c'est pas le but de Bitcoin. Le but de Bitcoin, c'est la sécurité avant tout de l'argent qui cherche à davantage de confidentialité et de scalabilité. Voilà. Et puisque l'histoire est faite essentiellement de soft fork depuis le début, on peut dire que le projet est fidèle à celui qui avait été imaginé par Satoshi Nakamoto, mais qui n'est pas non plus sans perturbations à venir, si l'on prend en compte tous les acteurs gigantesques qui sont en train d'arriver sur le Bitcoin et qui vont repartir probablement dès que le cours aura baissé et qui vont faire... le cours apporter beaucoup plus de volatilité. Bon, bref, voilà. Bah, écoutez, vous voulez que je m'arrête. Merci beaucoup, Cyril. Ce que je te propose, si les gens ont des questions, qu'ils utilisent le chat, et puis si, Cyril, si ça te convient, tu peux peut-être répondre directement sur le chat. Et ce que je propose, Adrien, si tu... Je suis avec vous. Voilà, si tu es avec moi, voilà. Bah écoute, c'est qu'on embraye directement.